création de la Rescar, c'est une grande, grande aventure parce que ça a commencé il y a une douzaine d'années avec mon épouse. On était aux États-Unis. Moi, je suis né dans le sport automobile, c'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, je suis entre des slicks, essentiellement sur le rallye, c'est-à-dire que techniquement, on n'avait jamais mis les pieds sur un circuit avant 2008 en Europe, mais donc on a été plutôt élevé au rallye et à la NASCAR. Et puis on s'est rendu compte quand on est tombé amoureux de cette discipline avec des voitures puissantes, avec du fun, avec des pilotes qui s'amusent, et on s'est dit pourquoi pas ramener ça en Europe. Donc nous, on venait là encore du monde du rallye et donc on a fait à notre idée, c'est-à-dire que j'étais pas du tout dans le format circuit, je savais pas ce que c'était que le GT, les formules, etc. On n'était pas du tout là-dedans. Donc on est arrivé avec une formation qui était plutôt NASCAR et rallye et qui en fait se rejoint assez bien parce que c'est plus de fun, plus de convivialité et puis c'est parti comme ça, création d'une voiture et ainsi de suite. On se bagarre en piste, hein. les courses sont très sympas, mais dans le paddock, il y a une belle ambiance, les teams s'entraident, les pilotes et les teams, on boit un petit coup après les courses, etc. Donc oui, il y a vraiment une ambiance qui est spécifique et on essaie de garder ce côté, il n'y a pas de choses bien cloisonnées où on cache ses réglages, etc. C'est comme en NASCAR, on laisse passer les informations et par contre, on se bagarre en piste, c'est aux pilotes de faire le boulot. On est badgé NASCAR depuis cette saison 2012, mais on travaille ensemble depuis près de 5 ans. Donc ça fait 5 ans qu'on chemine ensemble, qu'on apprend énormément de choses. On a participé, avec mon épouse Anne, on a été en direction de course, on a suivi des directions de course, on a suivi leurs séminaires, on a suivi leurs meetings en track opérateur. Donc on a en fait tout connu les différents compartiments du jeu, c'est-à-dire depuis l'exploitant circuit jusqu'au team. Et ça a permis de connaître le système et surtout de connaître leur culture, leurs racines. Et il y a un maître mot dans tout ça, c'est que c'est la passion, quoi. Ils sont tous, ils savent déjà de quoi ils parlent. Parce qu'un directeur de course NASCAR, c'est quelqu'un qui a 200-300 courses. Hein. Leur responsable technique, Richard Buck, avec qui on a travaillé à Tours, c'est quelqu'un qui a gagné 5 fois Indy 500. Donc ils ont un vrai bagage technique et surtout, ils sont incroyablement amoureux de leur sport. Et ça transpire automatiquement. La Rescar 2013, on va continuer l'évolution avec un système qui se développe, c'est-à-dire que jusqu'à présent, notre modèle c'était d'intégrer différents meetings, DTM, GT, etc. Et de plus en plus, on va se développer vers nos meetings, les meetings où la Rescar et l'Euro NASCAR sera tête d'affiche. Donc on va avoir notre épreuve de tour qui sera notre épreuve phare cette année avec quelques belles surprises à venir. On a également le circuit de Brands Hatch qui vient de créer une toute nouvelle épreuve, une grande fête américaine avec, où les NASCAR seront tête d'affiche avec du Monster Truck, avec des concerts, avec du barbecue. Donc toute une ambiance sympa également à Brands Hatch. On ira également toujours à Nogaro puisque c'est une épreuve. Nogaro et Le Mans sont les deux épreuves en fait qui sont au calendrier depuis le début du championnat, c'est-à-dire depuis 2009. Et puis un petit tour à Monza et à Dijon où qui sont des circuits plutôt high speed où les pilotes vont prendre beaucoup de plaisir. Donc voilà à peu près ce que sera la Rescar 2013 avec quelques petites évolutions techniques. On est d'ailleurs là en train de les travailler pour faire une voiture qui soit encore plus aboutie, encore plus fun. On a décidé de créer, il y a longtemps, hein, dès qu'on a créé le projet Rescar, l'idée était tout de suite d'avoir un team aux États-Unis pour pouvoir créer une vraie filière. Hein. L'intérêt, c'est de pouvoir amener des pilotes européens en NASCAR. Donc c'est vrai que quand on sort de GT, quand on sort de prototype ou de monoplace, ça fait un choc et il y a un gros trou à combler pour découvrir NASCAR. Donc on s'est placé en série intermédiaire pour faire une étape, pour faire une porte d'entrée pour les pilotes européens. Et donc, ça va de soi, c'est-à-dire qu'on sélectionne les meilleurs pilotes européens au travers de NASCAR, on leur apprend un petit peu en Euro NASCAR ce qu'est la NASCAR, et ensuite on leur donne la possibilité d'évoluer en KNN, en NASCAR KNN Pro Series aux États-Unis, et ensuite avec l'objectif à terme d'amener un pilote européen au plus haut niveau.